Histoire sans parole, où les gestes sont les mots et le corps un langage silencieux. Tu es à la recherche de quelqu'un, tu es en quête de quelqu'un. C'est un petit peu le chasseur qui recherche sa proie. Pendant 2 jours, 15 stagiaires ont bénéficié de la présence à Périgueux d'un artiste diplômé de l'école Marcel Marceau. Initiation à l'art du mime et du geste par des exercices pouvant enrichir leur pratique personnelle. Il se trouve que je suis dans le cirque aérien, que j'ai une formation de trapéziste. Et que dans la compagnie dans laquelle je travaille, on a envie d'explorer plus le sol, on a envie d'explorer des thèmes un peu littéraires. Enfin, on est sur vraiment du cirque qu'on appelle contemporain. Ça ouvre des dimensions nouvelles, des dimensions différentes. Et ça nous amène à mieux travailler avec notre corps, à mieux travailler avec notre regard, à mieux travailler avec l'espace. Au programme, interprétation sur des parcours imaginaires, un atelier qui questionne les frontières entre les différentes techniques du spectacle vivant. Évidemment, il existe des techniques précises, mais on ne peut pas s'arrêter à ces techniques précises, d'autant plus qu'actuellement, le métissage entre les arts est très fort, entre la danse, la danse-théâtre, le théâtre gestuel, le théâtre même parlé, les frontières sont très très poreuses. Laurent Clairet sera demain et mercredi sur la scène du Palace à Périgueux, les vieux os ou les relations amoureuses de deux pensionnaires d'une maison de retraite.